كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Et dans le hadith, c'est rapporté Fabifi al-Hajar, ça veut dire, et c'est comme si Romar, il avait une pierre dans sa bouche, il ne savait plus quoi dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est resté bouche bée, de savoir qu'après notre mort, notre âme revient dans le corps et c'est comme si on redevient vivant. Et là, eh ben, qu'est-ce qui vient nous accompagner dans la tombe? Tes œuvres. Si la personne elle meurt sur la vertu, Dieu lui envoie les anges à Mésaricante qui viennent accompagner dans sa tombe, qui sont encore plus beaux que des soleils, et il fait pousser de la verdure dans la tombe et il élargit la tombe du croyant. Même si nous, dans le bas monde, on ne voit pas cela parce que Dieu nous l'a voilé. Alors que le non-croyant, celui qui est mort chargé de péché, celui pour qui Dieu n'a pas pardonné, eh ben lui sera châté dans sa tombe. La tombe se resserrera sur lui et il sera écrasé dans sa tombe au point que ses côtes vont s'entrecroiser. Comme il a dit le prophète, Hatta tartalifa adla'uhu. Au point que ses côtes elles vont se croiser, le côté droit il va le côté gauche et le côté gauche au côté droit, il va être écrasé, serré dans sa tombe et ce sera un châtiment terrible. Et il sera brûlé vivant dans sa tombe. Et autre que cela, parmi les durs châtiments qui attendent les gens qui seront châtiés dans leur tombe, que Dieu nous en préserve. Le prophète il a dit Istaghfiru billahi min azab al-qabr. Demandez à Dieu la préservation contre le châtiment de la tombe. Et il a dit aussi Istanzihu baul. Préservez-vous de vous souiller avec l'urine quand tu fais tes besoins. Ne mets pas de l'urine sur toi-même ou dans tes habits, après ça souille ton corps. Car certes, la plupart des gens qui seront châtiés dans leur tombe sera dû au fait qu'ils se souillaient avec leur propre urine. Beaucoup de gens ne voient pas cela comme quelque chose de haram, comme un grand péché. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, Bala, bien sûr que si. C'est un grand péché. Également, la médisance et semer la discorde parmi les musulmans, ça, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ça, c'est parmi les causes les plus courantes du châtiment de la tombe, même pour les musulmans. Même pour les musulmans, que Dieu nous en préserve. Amin. Il y a une sourate que le prophète, alayhi salam, il a dit, Inna fil qur'ani, thalathina aaya, T'astaghfiru li sahibiha, Hatta yurfarola, Tabarakallavi biyadihi ilmulk. Certes, il y a dans le Coran 30 versets, 30 ayas, qui demandent le pardon pour celui qui les récite jusqu'à que Dieu lui pardonne. Et cette sourate, le prophète, il a dit, c'est Tabarakallavi biyadihi ilmulk. Et éternellement, sans défaut, celui qui a la souveraineté absolue. C'est le début de surat El Mulk. 30 versets. Celui qui les récite tous les jours, c'est une cause pour qu'il ne soit pas châtié dans la tombe après sa mort. T'astaghfiru li sahibiha hatta yughfara. Cette surat-là, elle va demander le pardon pour le musulman qui l'a récité tous les jours. Elle demande le pardon, elle demande le pardon, elle demande le pardon au jour dernier, jusqu'à que Dieu, il accorde le pardon à celui qui l'a récité. Hiya al-munjiya. Le prophète il a dit, c'est la salvatrice. Tunji sahibaha min azab al-qabr. Elle sauve la personne du châtiment de la tombe et du châtiment de l'au-delà aussi. Celui qui persévère à réciter soit El Mulk. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabarakalladi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwa al-'aziz al-Rafour. Tabarakallazi biyadihi al-mulk. Et éternellement, sans défaut et sans nulle imperfection, Allah Ta'ala. Tabaraka ay ta'azama an sifat al-makhluqat. Dieu, il n'est pas du tout concerné par les défauts de ces créatures. Et ceci éternellement. Tabaraka, ça désigne l'éternité. Dieu est de toute éternité sans défaut, sans imperfection. bi yadihi al-mulk, celui qui a la souveraineté. Et si yad, ça veut dire que Dieu leur est une main. Ça veut dire que Dieu, il possède toute chose. Et la main, on l'exprime même en français dans le sens de la possession. Il l'a entre ses mains. Il possède. Bi yadihi al-mulk, il a al-mulk, la souveraineté absolue. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est sur toute chose tout-puissant, Azza wa Jal. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Celui qui a créé la mort, El Maut, wal Hayat, la vie, liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, afin de vous éprouver qui c'est donc parmi vous qui fera les meilleures œuvres. Wa huwa al-Aziz al-Rafour, et il est le Tout-Puissant, El-Raziz, celui qui pardonne, lui seul qui accorde le pardon des péchés, El-Rafour. Allah Ta'ala, il a dit « Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata » celui qui a créé la mort et la vie. Dieu l'a d'abord cité la mort, al-maut, et après il a cité la vie. Pourquoi? Pour montrer l'éminence de cette heure-là qu'est l'heure de notre mort. Pour nous éveiller, pense d'abord à la mort avant de penser à ta vie du bas-monde. « Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala » Dieu l'a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve, de vous éprouver et de vous tester. Qui c'est parmi vous qui fera les meilleures œuvres ?« Ayyukum ahsanu 'amala » »« Ayyukum ahsanu 'amala » C'est qui parmi vous qui sera le plus sincère dans ses prières, dans son adoration à Allah ? Qui c'est parmi vous qui se précipitera le plus pour œuvrer dans le bien et se préparer pour ce qu'il y a après la mort? Parce que Dieu l'a créé la mort et l'a créé la vie. La mort, ce n'est pas uniquement l'absence de vie. La mort est une créature que Dieu a créée. La mort est une chose que Dieu a créée. Une chose qui n'est pas uniquement l'absence de vie. Alladhi khalaqa al-maut. La mort, c'est une créature qui viendra à nous inévitablement et on ne sait pas quand est-ce qu'elle viendra. Et il a aussi créé la vie. Et pourquoi il a créé la mort? Afin de nous mettre à l'épreuve. Quand quelqu'un il pense à la mort, alors il sait qu'il va bientôt mourir, que sa vie, il ne sait pas combien de temps elle va durer. Ça le pousse à choisir la meilleure chose. Si tu sais que toi, tu n'as pas beaucoup d'argent, et que ton argent, il ne suffira pas pour tout acheter, n'est-ce pas que tu vas choisir d'acheter le mieux avec ton argent et pas de le dilapider? Tu vas faire les meilleurs choix de placement de ton argent pour tirer le meilleur profit de ton argent. Et ben la vie c'est pareil, si tu sais qu'elle est courte ta vie, tu sais pas quand est-ce qu'elle va terminer. Tu te rappelles la mort, et ben ça te pousse à faire les meilleurs choix dans ta vie. Les savants ils disent, si tu as un choix entre quelque chose du bas monde et quelque chose de l'au-delà, alors priorise la chose qui est en rapport avec l'au-delà. Et combien de fois tu priorises ce qui est en rapport avec l'au-delà et Dieu te facilite après cela ton affaire du bas-monde, n'est-ce pas? Et combien de gens, ils priorisent leur bas-monde et après ça les retarde sur le sujet de l'au-delà, sur leur prière, sur leur apprentissage de la religion. On dit, je l'apprendrai plus tard. Ou je ferai la prière plus tard. Et il meurt, il n'a toujours pas appris. Et il meurt, il n'a toujours pas prié. Et quand tu priorises l'au-delà, Dieu te facilite le bas-monde. Dans le hadith Qudsi, c'est rapporté que Allah Ta'ala dit « Ya dunya man » Khadamani fardimihi wa man khadamaki fa'at'ibihi. C'est-à-dire, ô bas monde, celui qui est au service de la religion, alors sois à son service. Dieu l'a ordonné à cette dunya que si quelqu'un se détourne d'elle pour être au service de la religion de l'islam, eh ben Dieu, il lui a servi le bas monde, il l'aide dans son bas monde, il lui facilite la subsistance, comme on a dit. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dieu l'a dit, celui qui est pieux envers Allah, Dieu lui accorde une issue à ses problèmes. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Dieu lui fait parvenir sa subsistance d'une manière dont il ne s'y attendait pas, d'une manière inopinée et impromptue. Dieu lui fait parvenir sa subsistance sans même que lui sache d'où elle vient cette subsistance-là. Il lui facilite un travail, il lui facilite le mariage, il lui facilite des choses que peut-être il n'avait pas eues s'il avait été fatigué dans le bas monde. Ça, c'est parmi les barakas de la piété, c'est une cause de subsistance aussi, la piété. Et souvent, quand tu te priorises pour la religion, Dieu te facilite le bas-monde. Dieu l'a dit au bas-monde. Celui qui est au service de la religion, alors sert le soi à son service. C'est le Seigneur des mondes qui a créé cela pour le bas-monde. Et celui qui te sert, celui qui est au service du bas-monde, fa'atribihi, alors fatigue-le. Et combien de gens musulmans à notre époque, tu les vois, ils se fatiguent, courir après la dunya, courir après l'argent, et toujours ils sont humiliés, rabaissés, ils n'arrivent jamais à ce qu'ils veulent. Et des gens qui, eux, ils prennent du bas-monde ce qui leur suffit, et ils se consacrent en priorité pour la religion, sans délaisser pour autant leur bas-monde, leur travail, la subsistance de leur famille, etc. Mais ils mettent avant toute chose la religion. Tu vois qu'ils se marient, ils réussissent dans leur vie professionnelle, etc. Parce que Dieu leur donne la baraka. Parce que Dieu leur donne la baraka. Parce que celui qui craint Allah et qui fait preuve de piété, Dieu met à son service le bas monde. Ça ne veut pas dire qu'il deviendra riche. Ça ne veut pas dire qu'il aura tout ce qu'il voudra dans le bas monde. Et celui qui est pieux, son cœur, il est détaché du bas monde. Donc lui, il prend juste ce qu'il a besoin et le reste, il le laisse. Il le laisse. Dans le hadith sahih, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit khayrul rizqi ma yakfi. Il a dit khayrudh dhikr al-khafi. La meilleure évocation que tu puisses faire de Allah, c'est ce que tu fais comme dhikr en cachette. Pas devant les gens, Bismillah, Allahu Akbar, devant tout le monde voit que tu fais du dhikr. Parce que là, tu es un peu plus loin de la sincérité. C'est peut-être tu prends le risque de l'infatuation, de l'ostentation, de rechercher l'éloge des gens, qui est un grand péché, qui est Riyah, l'insincérité. Et le prophète l'a dit, ittaqur Riyah fa innahu shirkul asghar. Évitez, prenez garde de l'insincérité à Riyah, car c'est le shirk, la petite association, le shirk mineur. Ça veut dire que c'est comme si tu ressemblais à celui qui adore autre que Allah, parce que tu recherches l'éloge des gens, tu recherches l'agrément des gens, des créatures, au lieu de rechercher l'agrément du Créateur subhanahu wa ta'ala. Mais c'est un grand péché, mais c'est pas de la mécrance, mais ça ressemble à la mécrance. Alors que si tu fais ton zikr en cachette, dissimulé, la ilaha illallah, Allahu Akbar, à voix basse, tu t'éloignes de tomber dans le péché de l'infatuation parce que les gens ils t'entendent pas. Le prophète a dit ça, c'est le meilleur des zikrs. Il a dit wa khayrul rizqi ma yakfi, et la meilleure subsistance, c'est ce qui suffit à la personne. Le prophète alayhi salam, il a dit ma qalla wa kafa khayru mimma kathura wa alha. Ce qui est peu mais qui te suffit, c'est meilleur que ce qui est beaucoup et qui te dévertit, qui te détourne de l'obéissance à Allah. Il vaut mieux avoir peu de subsistance, mais vivre dans la piété, que d'avoir beaucoup de subsistance et d'opulence et de richesse qui te divertissent et qui te détournent de l'obéissance à Allah et qui te fait oublier la mort, alors que Dieu nous a ordonné de nous rappeler de la mort souvent et que le prophète nous a recommandé et ordonné, bien sûr dans le sens de la recommandation, de la sunna, de se rappeler souvent la mort. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaybi wash-shahada ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Dans suratal jumu'a, Dieu l'a dit, dis ô Mohammed, dis aux gens, certes la mort dont vous fuyez, la mort que vous tentez d'esquiver, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu, dis certes la mort dont vous tentez d'échapper, fa innahu mulaqikum, et ben certes cette mort-là, cette fin-là de votre vie, elle va certes vous atteindre, fa innahu mulaqikum, certes la mort, elle vous atteindra assurément, thumma turadduna ila alimil ghaybi wash-shahada, et puis après la mort, vous serez renvoyés, c'est-à-dire dans l'au-delà, à celui qu'il sait tout ce qui est apparent, alimil ghaib wa shahada, tout ce qui est caché, al ghaib, dont seul Allah Ta'ala connaît le secret, wa shahada, et les choses apparentes. Vous retournerez à son jugement, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, et alors à ce moment-là, au jour dernier, Allah Ta'ala vous informera de ce que vous faisiez comme mauvaises actions dans le bas monde. Al-maut alladhi tafirruna minhu. Ça, c'est le propre des gens non musulmans, ils fuient de la mort. Et cette mort-là, elle t'atteindra inévitablement, immanquablement. Donc l'intelligent, celui qui se rappelle tout le temps cela. Quand il fait la prière, peut-être je vais mourir durant cette prière-là, comme le prophète Sulayman, ou après la prière, comme le prophète Mohammed, qui est décédé après la prière du Soubah. Qui est décédé, d'accord, le prophète salam, il s'évanouissait dans la dure douleur de la mort. Il disait « Inna lil maut illa sakrat ». Certes, la mort, elle a des douleurs terribles. Il s'évanouissait. Après, il se réveillait, il disait « Atouni bil wadou », « Ramenez-moi l'eau pour le wadou ». Il faisait le wadou, après il s'évanouissait à nouveau. Il n'arrivait pas à se lever pour faire la prière. Et les gens attendaient dans la mosquée pour la prière que le prophète sorte pour faire imam. Et le prophète s'évanouissait dans les douleurs de la mort. Et un peu avant de mourir, parce qu'il tombait malade, il restait dans son lit pendant environ 14 jours juste avant de mourir. Et il est resté 3 ans malade à cause du poison qu'il avait goûté lorsque une femme des gens du livre avait voulu tuer le prophète en empoisonnant la brebis dont il avait mangé. Et c'était un poison, soum moussara, qui tue dans l'heure. Mais Dieu l'a accordé un miracle éminent au prophète Mohammed, c'est qu'il n'est pas mort dans l'instant où il a consommé de ce poison, qu'il n'avait même pas avalé, juste était dans sa bouche. Le compagnon qui a mangé de la brebis avec le prophète, il est mort directement, ce compagnon-là. Mais le prophète, pendant 3 années, le poison, il a resté à circuler dans son corps. Et le prophète, de temps en temps, il ressentait la douleur de ce poison-là. A circulé dans son sang, le poison, comme ça. Pendant 3 ans, il n'est pas mort. Au bout de 3 ans, les 14 derniers jours, il a commencé à devenir très très malade. Très très malade. Au point qu'il est resté dans son lit, il n'arrive plus à se lever, même pour la prière en assemblée. C'est rapporté dans certains hadiths que entre son oncle et l'imam Rali, il le transportait comme ça entre 2 hommes et ses pieds traînaient sur le sol, le portait comme ça pour qu'il aille faire imam dans la mosquée, parce que dans la chambre de son épouse Aïcha, enfin les chambres de son épouse étaient concomitantes avec la mosquée, juste à côté de la mosquée. Et il faisait la prière assis. Des fois, les compagnons priaient debout derrière lui ou assis dans certaines versions également. À la fin de sa vie, il a été très malade et il est resté dans son lit pendant environ 2 semaines. Il a demandé l'autorisation à ses épouses de rester dans les derniers jours de son vivant dans la chambre de Raïcha parce qu'il était très malade et il disait à ses épouses « Aïna ana rodan »« Aïna ana rodan »« Où est-ce que je serai demain ?» Et ses épouses, elles disaient « Tu seras chez une telle » Après, elle dit « Et après demain, je serai chez qui ?»« Tu seras chez une telle » Et après, demain. Et en fait, elles ont compris que lui, il cherchait à savoir quand est-ce que ça va être mon jour avec Raïcha. Et quand ses épouses ont compris cela, elles ont dit Wahabna layaliyana li urtina Raïcha ya Rasulallah. Nous offrons nos nuits, nous offrons nos nuitées à notre sœur Raïcha au Messie de Allah. Elles ont compris que le prophète, il voulait rester les derniers jours de sa vie dans la chambre de Raïcha. Et donc, ses épouses, elles ont pardonné au prophète les nuitées qu'elles avaient avec lui, ils ont dit, nous on les laisse entre Dame Raïcha. Donc il a passé les derniers moments de sa vie, derniers jours de sa vie, dans la chambre de Raïcha, que Dieu l'agrée, et il est décédé dans la chambre de Raïcha, dans les bras de Raïcha, dans là où il l'a enterré, parce que le prophète l'a dit, les prophètes sont enterrés là où ils décèdent, tout comme il le rapporte le grand compagnon honoré, Abu Bakr al-Siddiq, et donc le prophète, peu avant de mourir, il y avait un rideau qui séparait la chambre de Raïcha de la mosquée. Et les compagnons, ils faisaient la prière du soubor. Et comme le prophète n'est pas sorti, il a envoyé Abu Bakr al-Siddiq pour qu'il fasse imam. Ce prophète est très malade. Et le prophète, après, il a eu un moment un peu de vigueur. Il a réussi à se lever. Il allait vers le rideau qui séparait la chambre de Raïcha de la mosquée. Et pendant que les compagnons faisaient la prière, il a ouvert le rideau. Et ça faisait des jours que les compagnons, ils n'avaient pas vu le prophète sortir de sa chambre. Comme c'est rapporté dans le Bukhari, dans le Sahih. Il a ouvert le rideau et les compagnons, ils ont vu le prophète Mohammed, son visage resplendissant et lumineux. Ils ont dit les compagnons comme si c'était une page du Mus'haf. Comme son visage c'était une page du Coran honoré. Et le prophète, il a souri. Au point que les compagnons, ils ont été perturbés durant leur prière. Et Abu Bakr as-Siddiq, il a voulu se retirer, se rétracter en arrière pour laisser le prophète alayhi salam avancer pour faire imam. Mais le prophète est tellement fatigué qu'il n'a pas eu la force d'aller pour faire imam alayhi salam. Mais il a souri et il a juste fait un signe à Abu Bakr de rester à son endroit. Anibqa makanaka. Reste à l'endroit où tu lui as fait un signe de la main comme ça, reste, imam reste devant. Et après il a refermé le rideau. Et peu de temps après il est décédé alayhi salatu wa salam dans les bras de Raïcha. Baina Nahliha, ici là, le Nahar et Sadriha, il avait la tête ici, et pendant qu'il était mourant, il y a le frère de Raïcha ibn Rahman qui est rentré dans la chambre de Raïcha, et il avait dans ses mains un siwak, le petit bâton avec lequel on se brosse les dents pour avoir plus de récompense dans la prière, que le prophète l'a dit matwaratun lil fam wa marlatun lil rabb, que c'est une purification de la bouche d'utiliser le siwak, et c'est également une cause d'agrément de Allah Azza wa Jal. Et celui qui est mourant, c'est recommandé qu'il utilise le siwak parce que ça l'aide à prononcer de témoignages avant de mourir. Bon, le prophète est sûr de briller musulman. Et tellement sa bouche elle s'asséchait parce qu'il avait du mal à parler quand le personne elle meurt, sa bouche elle s'achèse et il a du mal à parler. Et même les prophètes ils souffrent parce que Dieu il leur accorde encore plus de récompense dans les douleurs de la mort. Et donc quand le frère de Raïcha est rentré dans la chambre de Raïcha, Abdurrahman, rahimahullah, il avait dans sa main le siwak. Et le prophète, il a regardé le siwak, et Raïcha, elle a compris que le prophète, il voulait utiliser le siwak avant de mourir. Et donc, elle a dit, je te prends le siwak. Et comme le prophète, il n'avait plus trop de salive dans sa bouche, Raïcha, elle a mis le siwak dans sa bouche à elle, elle l'a humidifié avec sa salive, et après, elle l'a mise dans la bouche du prophète, elle lui a fait le siwak. Et donc, la salive de Raïcha, s'est mélangée avant de mourir dans la bouche du prophète, alayhi salatu wa salam. Et le prophète, il est habillé avec un pagne autour de sa taille et un châle dans lequel il est décédé, alayhi salatu wa salam, et il était dans les bras de Raïcha en train de mourir, sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a dit, tout comme ça rapporté dans le Sahih de Muslim, il a dit, Allahumma rafiq al-a'la. Il a dit, oh Allah, je veux être avec les compagnons élevés. Rafiq al-a'la, ça ne veut pas dire Allah Azza wa Jal. Rafiq al-a'la, ça veut dire Mikaïl et Jibril, les deux meilleurs anges que Dieu l'a créés. Jibril, le chef des anges, et Mikaïl, ce sont les deux anges qui vont peser les actes des gens au jour dernier. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Wal waznu yawma idhinil haqq. Et la balance au jour dernier, elle sera véridique, parce que c'est l'ange Jibril et l'ange Mikaïl, les deux anges qui seront chargés de peser les actes au jour dernier sur la balance. Donc la balance ne se trompera pas au jour dernier dans les actes. Et donc le prophète, au moment où il allait mourir, il a dit « Allahumma rafiq al-a'la »« Oh Allah, les compagnons élevés, je veux être avec les compagnons honorés. » Et Raïcha, qu'est-ce qu'elle a dit, comme ça rapporté dans le Sahih de Muslim, elle a dit « Moi, j'ai certes entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'y a pas un prophète qui décède sans que, avant sa mort, Dieu, par la révélation, il lui donne le choix entre rester dans le bas-monde et entre choisir l'au-delà. Et elle a dit, lorsque j'ai entendu le prophète dire « Allahumma rafiq al-a'la »« Oh Allah, je veux être avec les compagnons honorés », elle a dit « Je pense que c'était à ce moment-là qu'il lui a été donné le choix au prophète Mohammed alayhi salam et il a choisi l'au-delà. » Elle a dit « Je veux être avec les anges. » Jibril et Mikaïl, et après il est décédé, alayhi salatu wassalam, elle était dans les bras de notre dame Raïcha, radiyallahu anha, sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc même le prophète alayhi salam, il est décédé, même la meilleure des créatures, il est décédé, et chacun parmi nous, il goûtera à la mort.